Bon, Thierry, l'analyse du match assez frustrante, j'imagine. Ouverture du score à la demi-heure de jeu, égalisation dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On reprend un but en début de deuxième mi-temps. On revient au score quart d'heure de la fin, puis la cruelle réalité des tirs au but. Ouais. Bah, écoute, moi je suis assez, malgré tout, bon, l'élimination est frustrante et vraiment dommage pour les filles parce qu'elles ont tout donné sur le terrain. Mais je suis relativement content du contenu, notamment la première mi-temps où on a été très très costaud défensivement, je trouve. C'est ce qu'on voulait faire et malheureusement on prend un but un petit peu particulier. Et ensuite sur la deuxième mi-temps, lorsqu'on est mené 2-1, on arrive à poser le jeu, à faire des choses très intéressantes en gardant le ballon, en prenant de la vitesse dans les couloirs, en mettant des ballons devant les buts. Et on revient au score. Voilà. Malheureusement, ça ne se termine pas comme on l'aurait souhaité. C'est vrai que j'étais persuadé qu'on allait passer. Et je leur ai dit dès le début de semaine, ça va se terminer au pénalty et on gagnera au pénalty. Voilà, j'ai eu tout faux sur ce coup-là. Bon Alex, un résultat assez frustrant. On revient deux fois au score juste avant la mi-temps. Et puis tu marques le deuxième but au deuxième mi-temps. Élimination au tir au but. Quelle analyse tu tires de cette rencontre ? C'est la loterie, les tirs au but. Après, voilà, on a montré un bon visage. On a su, comme je t'ai dit, revenir deux fois au score. Après, on aurait aimé aller plus loin, mais c'est moi, je loupe mon tir au but, je prends mes responsabilités. Et puis après, voilà, je me dis que ça arrive au meilleur et les grands joueurs en loupent aussi. Donc, c'est comme ça, désolé. Donc, une grande joueuse qui va nous emmener encore plus haut en championnat en 2022. J'espère. Bon, de bon augure pour la suite parce que le contenu était intéressant malgré tout. Oui, on a vraiment proposé de belles choses, notamment en deuxième mi-temps. On a su poser le jeu, on leur a posé des problèmes. Après, on marque deux fois sur coup de pied arrêté, c'est une de nos forces aussi. Donc on va retenir quand même un bilan assez positif. Maintenant, place aux vacances et puis on reviendra en forme. Super, merci Alex, bonne fête de fin d'année.